Prochaine chanson, c'est une chanson sur la drogue et le poulet. Ouais, bah c'est pas drôle. Est-ce que tu pourrais, ce dont on parlait vite fait tout à l'heure, revenir un petit peu sur toi, ton historique de musicien? Ouais, j'ai commencé, pas par rapport au violoncelle, j'ai commencé tout petit, gamin, un peu classique, nécessairement tout le conservatoire, tout ça, mais bon, à droite, à gauche. Mais bon, un parcours classique. En même temps, je me suis pris des gros riffs de guitare dans la gueule à la même époque. Donc ça a toujours fait un peu des petits parallèles, et puis voilà quoi. Puis un moment où, en fait, j'en ai eu marre aussi de, finalement, au violoncelle, de pas savoir jouer autre chose que ce qu'on t'apprend, parce que classique, surtout à l'époque, ça bougeait un peu, je crois, mais enfin bon, surtout à l'époque, t'apprends pas à jouer avec les autres, hormis dans un orchestre, ce qui peut être très chouette. Enfin, jouer dans un orchestre, c'est chouette, mais voilà, c'est l'interprétation, il y a pas, enfin, tu te retrouves vite un peu bloqué, tu vois, comme en tant que musicien, finalement, quoi, par rapport au violoncelle. C'est pour ça aussi que j'ai commencé aussi ado, la basse, la batterie. J'avais très vite, gamin, envie de jouer de la batterie, donc quand j'ai commencé la basse avec les potes, je voulais juste absolument même pas savoir tu vois, les notes, ou justement quoi, enfin un peu en réaction au violoncelle. Enfin, à la pratique classique du violoncelle. Que tu continues quand même de pratiquer au même moment, ou que t'as mis de côté? Ouais. En même temps, quoi. Enfin, donc, plutôt parallèlement. Puis après, du coup, à un moment, j'ai aussi, du coup, arrêté vraiment le violoncelle pendant un an ou deux. Où là, j'étais vraiment, du coup, dans un groupe de trash à l'époque, à la basse. Et j'ai eu aussi l'occasion, après, justement, je cherchais déjà à sortir de ce carcan, on va dire, de la musique classique. A posteriori, ça fait un peu, j'ai un peu désappris, finalement, quoi, du truc. Mais je cherchais déjà avant, je me suis retrouvé à la fac, j'ai fait musicologie, parce que, parce que je, pas vraiment d'autres, je sais pas que d'autres choses, rien m'intéressait d'autre, mais c'est plus que, bon, je me dis, quitte à aller faire étudiant, autant que ce soit dans un truc qui me plaise là-dessus. Donc là, il y avait atelier, un peu genre, du coup, je me suis mis en jazz et en musique impro, au violoncelle.
C'était pas du tout, du coup, tellement pareil dans le format habituel. Donc voilà, du coup, je me suis retrouvé à jouer de la batterie dans des groupes, de la basse dans d'autres groupes, du violoncelle aussi, dans différents groupes ou formations. Ce qui allait du, à un moment, à quatuor à cordes, contemporain, musique contemporaine, qu'on avait fait. Justement, qu'avec des gens qui venaient, donc, bon, des musiciens classiques, mais qui venaient vraiment d'horizons différents, et pas forcément d'horizons, enfin, qui ne sont pas dans la pratique classique. Donc, il y avait ça, puis quelques autres, enfin, pas mal d'autres groupes, ouais, plutôt, ouais, entre le rock, enfin, rock, punk rock, on va dire, trash, truc plus barré, XP, voilà. Et aujourd'hui, là, je fais plus, donc, bah, Mr. Markay. Raoult, aussi, un autre groupe où là, pour le coup, là, je me suis mis au clavier, enfin, on est à deux claviers, enfin, c'est, on va dire, électro, enfin, c'est des synthés, quoi, synthé boîte, sur-ampli, des vieux synthés, donc, y a, pareil, il y a du grain, c'est assez, c'est assez rock aussi, comme. C'est. Et puis un autre groupe aussi, un truc qui s'appelle Aerobico Noise, où là c'est Harsh Noise, avec. Les sons ils sont générés par un hula hoop, avec une ceinture, avec des piezos, un vélo d'appartement, puis Moj Noise avec un autre gars aussi. Tout ça quoi. La prochaine, c'est une chanson que j'ai écrite pour fêter la mort de ta sœur. Ça tombait bien, j'avais mis en place le bordel et à la radio ça passait l'info. Et voilà, bon, ben, de toute façon, il y en a d'autres qui vont suivre. Donc on peut se réjouir. Même des fêtes. Bah oui. Bah oui. Hein. Il en faut. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ça s'appelle Magistère. Thank you.
c'est moins cher sur le tube guitare. Quel lien tu vois entre ton instrument, le violoncelle, et la musique, enfin, et on va dire le grind ou le death, le thrash, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un instrument très gras, très grave aussi. Ouais. Bah ouais, bah à la limite, pas forcément par rapport au grind, au thrash ou quoi, juste à la limite par rapport à en jouer de façon plus moderne, je dirais, de, à l'époque. Mais après, voilà, ouais, moi je. Bah, je pense que c'est déjà un instrument moderne, enfin bah déjà dans l'histoire, hein, ouais, les instruments, c'est quand même relativement moderne. après, bah voilà, ouais, il y a la tessiture, la taille, qui fait que, bah à la limite oui, enfin il y a une bonne prise en main. Bah juste aussi parce que je suis violoncelliste, donc en effet je vais dire, je suis sûr à mon pied quoi, mais. Bon, il y a à la fois, ouais, il y a une texture qui peut être assez grave, assez aiguë. Enfin, t'es un peu en dessous de la guitare, au-dessus de la basse. Et c'est assez. Les doubles cordes, ça marche. C'est en quinte, donc c'est. C'est aussi assez facile, enfin assez simple en fait. Enfin, pour faire du rock, enfin c'est un peu fait pour rock'n'roll, quoi. Ouais. Et. Donc ouais, et puis c'est assez, je pense ouais, c'est assez polyvalent comme instrument, ça marche bien électrifié. Il y a une fois, pour l'anecdote, je m'étais retrouvé chez un luthier, enfin pour refaire un archet, parce que j'en bouffe pas mal, et enfin refaire l'écrin quoi, refaire la mèche, et bon voilà, puis il m'a dit ouais bah oui bah voilà, enfin, il voit le truc, il me dit ouais, je fais du rock'n'roll. Enfin, je pète beaucoup de crin, limite presque à m'excuser comme ça, mais tu me dis, ah, non, c'est bien. Il dit, ouais, ben non, faut jouer avec l'instrument, avec son temps, quoi. Enfin, il était vraiment dans un truc, limite complètement décomplexé, truc. Genre, bah ouais, faut jouer avec les instruments, avec la vie, la musique qu'il y a autour, quoi. Donc après, ouais, moi j'ai plus une sensibilité, enfin, plus un bagage, tout ça, quoi. J'ai commencé avec les tout gamins, les cousins nous écoutaient du AC/DC, Judas Priest, les Pistols, enfin, c'était l'époque. Après, moi, je suis passé dans les trucs grindcore, tout ça, enfin, le thrash metal, à l'époque, et puis tout ça, quoi. Donc, du coup, je fais ça parce que j'ai cette culture. Après, il y a plein d'autres choses. Et même dans Mr. Marca, il y a pas. Après les punks, ils voient le punk. Les métalleux, ils voient le métal. Et après, les gens qui sont pas là-dedans, ils voient ouais, c'est super. Enfin, on se parle des retours comme ça. Mais... Ouais, c'est. Ouais. Après, voilà. C'est pour ça que tu utilises la terminologie d'ailleurs que tu utilises pour te qualifier. C'est que au final, il n'y a pas vraiment de nom de mouvement. Oui, ouais. Oui. De toute façon, ouais, je me sens pas vraiment. Dans quelques mouvements trop que ce soit, enfin, bah même finalement oui de par le grindcore tout ça, enfin plus la scène ouais, enfin les squats, plus chez les punks, c'était les tontons. Finalement chez les punks après le côté métal comme ça, bon, ouais. C'est... Même ta performance sur scène se prête plus aussi à ça quoi. Ben ouais c'est après c'est toujours tu vois c'est, ouais le mot punk tout ça enfin c'est un peu comme un label mais c'est un peu un... de toute façon c'est une parce que là on n'en est plus à l'esthétique punk ou je sais pas quoi, là c'est juste une façon de faire les choses quoi. Bon c'est un mot comme ça après c'est un peu plus actuel, même si ça a 30, 40 ans. Mais, ou rock'n'roll, quoi, tu vois. Enfin, après, chacun trouve, chacun va mettre les mots sur son vécu, quoi. Ben oui, enfin, on va dire rock, rock'n'roll, quoi. Enfin, ouais. Je me suis un peu égaré. C'était quoi la question? Je me souviens plus. Bon, une chanson pour un peu parler de... Ça serait bien que tu retournes un peu à la cave, des fois. Ah ouais.
Moi, le Mr. Markai, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire un solo. Un moment, enfin, toi, tu me dis, ouais, tiens. Ouais. Enfin, de faire un truc tout seul. Pas pour être tout seul, mais pour. En tout cas, m'exprimer moi avec. Enfin, de toute façon. J'ai beaucoup fait de duo aussi avant, tu vois. Et d'ailleurs, toujours Raoul, là, c'est un duo. Bon, j'aime bien la formule de tu sais, duo, ça se répond directement. Mmh. Tout ça, quoi. Et alors après le solo, ouais, je trouve que c'est super finalement formateur, quoi, pour musicien. Enfin, c'est-à-dire que, ben voilà, quoi, t'es à poil, tu fais ton truc, enfin, ce que t'as envie de donner, ben c'est là, quoi. Enfin, y a pas de... ça se cache pas, y a pas de... Enfin, à la fois, c'est très bien, enfin, j'aime vachement bien enfin, le rapport que t'as dans un groupe. Mais d'être tout seul, bah voilà, t'envoies ton truc, quoi. Mmh. T'envoies ton truc, et puis à partir de là, t'as aussi la liberté d'aller un peu où tu veux. Parce que, enfin, en tout cas, comme je le fais, parce que j'ai pas de boucle, j'ai rien, c'est juste, c'est brut, c'est... Voilà, quoi, du coup, c'est plus privilégié l'impact ou de l'impro, ça peut partir. L'autre fois, je jouais à... Ouais, il y avait un concert, c'était les mecs, c'était vraiment bien la fête, quoi. Les mecs, ils faisaient les radeaux, enfin, ils faisaient, enfin, tu vois, Hawaï et tout, ça se la met dans tous les sens, dans un local de répète en Angleterre, là, Hull. Enfin, bref, le truc, le mec à donf, quoi. Et je disais, bah ouais, mais je peux pas m'arrêter, là, enfin, tu vois, genre, il y a le morceau, normalement, on va dire, il s'arrête, mais je disais, bah non, bah, du coup, je continuais, enfin. À partir sur d'autres trucs, ça partait limite en vieux trucs, gabber, enfin un kick, on y va. Parce que voilà, quoi, bah, ça répond, bah, faut. Donc, ouais, il y a une liberté, ouais, ça, en tout cas, que j'aime bien, ça, c'est, ouais, enfin, limite pour moi, c'est un peu primordial, quoi, d'avoir. J'aime bien Hendrix, quoi. Ouais. Pas pour le côté, ouais, c'est un super guitariste, non, c'est juste pour, waouh. Ça... Il y a un truc comme ça, quoi, de foisonnement, enfin d'explosion. Bon, après Hendrix, c'est une image aussi. Mais... Bon. Ouais, c'est pour la liberté sur scène de vivre en fait sa création. Quoi. Ouais. Après, moi, ça m'a super. Enfin, j'ai vraiment adoré faire quand on faisait du trash, qui est finalement de la musique super écrite, quoi. Toi, en plus, c'est rapide et tout, donc enfin, faut pas se planter, quoi. Faut être carré. Enfin, clairement, si tu joues. Alors que ce soit du trash ou enfin je veux dire mon côté ouais super écrit du truc bon c'est super plaisant là oui pour le coup là ça rejoint la musique classique enfin dans la sans parler de dire ouais Mozart à l'époque maintenant il ferait ou Beethoven il ferait lui on s'en fout quoi mais à l'époque il faisait son truc et oui en effet à l'époque il faisait ça bon enfin ça pas ouais c'est à moitié du sens quoi mais en tout cas oui au niveau de la ouais le truc écrit quoi bah ouais c'est vachement bien aussi c'est vachement plaisant et puis c'est super de jouer un truc qui est... enfin penser enfin qui est joué pour être ça et que ça joue mais là avec Markai ouais il y a plus de portes ouvertes à l'accident ou à l'impro ou... tu chantes aussi donc t'as des paroles ou est-ce que c'est plus en fait de la sonorité bah ça dépend il y a en général il y a quand même un fil rouge quoi enfin ne serait-ce que enfin, tu vois une idée d'un truc, quoi. Alors, il y a quelques chansons où il y a des paroles. Genre, André the Giant. Moi, c'est sur André le Géant. Enfin. Ça, j'avais fait ce morceau-là, c'était pour une fois quand j'avais joué avec des catcheurs. Enfin, il y avait ça passait en ping-pong entre des combats de catch. Et tout ça, donc bon. Il y en a d'autres où il y a des bouts, finalement, enfin, des départs de texte, mais après où je brode dessus en espèce de truc bizarre. Puis il y en a où c'est plus où c'est plus sonore ou inventé, mais avec quand même un fil rouge, donc je vais pas dire c'est loin de là un langage inventé, j'en ai un peu rien à foutre, mais dire en tout cas ouais, une espèce de yaourt. Oui, il y a des espèces de mots qui peuvent peut-être ressortir des fois. Une fois, il y a un mec. Bah pareil en Angleterre, je vois sur l'Angleterre, mais du coup, comme je chante en anglais, et une fois, il y a un mec à la fin, il me dit, ah ouais, tu parlais de ça, de streets et tout.
Ouais, ouais. Il y a un mot qui est sorti comme ça. Il y a un peu un truc automatique aussi comme ça, mais après, ouais, à la limite, là, j'en suis... À la fois, je maîtrise un peu quand même ce que je vais dire, mais en même temps, il y a des trucs qui peuvent s'entendre, qui peuvent pas forcément... Ouais. Et puis ça rejoint à la fois le côté à la fois impro, mais aussi le côté un peu folie qui se dégage de ce que tu fais. Mmh. Parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, que One Band, Grindcore, ou ce genre de choses, il y a vraiment une sorte de folie qui se dégage de ça, de l'attitude sur scène, de ce qui est obligé, ce que t'es obligé aussi de donner pour pouvoir... Ouais, oui, c'est... Bah du coup, il faut être d'autant plus à fond... Mais bon, ça on retrouve ça aussi avec des groupes quand ça, enfin, dire, un groupe qui, ouais, non, ça, oui, ça, je pense que c'est un peu la l'état d'esprit, enfin, des gens qui, enfin, ça peut être, je suis pas sûr que ce soit, c'est sûrement plus visible, ouais, quelqu'un tout seul, parce qu'en plus faut un peu tout assumer et tout ça. Mais oui, après c'est des groupes comme Arbonne Radar, t'écoutes ça, il y a des gens qui vont dire, ok, quoi. Ça groove à mort. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement super puissants, mais de loin, ça peut te paraître comme un truc complètement... Après, c'est beaucoup l'oreille, hein, les gens, vu de l'extérieur. Et... Mais c'est vrai qu'après, oui, souvent la réflexion, ouais, t'es un peu malade mental. Et, ouais, c'est un peu pour ça qu'on fait qu'on s'exprime. Mais ouais, et puis après aussi, oui, j'aime bien aller là-dedans aussi, avec les nouveaux trucs un peu que je fais là aussi, un peu d'autant plus, il y a des trucs, j'ai un peu réduit le tempo, mais pas que finalement, parce qu'il y a des nouveaux trucs aussi qui arrivent qui sont un peu plus speed, mais, ou justement, ouais, à la limite, là, il y a plus le chant qui, enfin, la voix qui va un peu plus en premier, qui est plus musical, on va dire, dans le cri, quoi. Ouais. Mais oui, après, en tout cas, ouais, de balancer un peu la folie qu'on peut avoir, ouais, ça, je trouve ça, c'est... Je trouve ça bien. Puis oui, sûrement que ça, c'est sûrement que, ouais, le côté One Man Band, ça permet ça, en tout cas. C'est là où ça revient un peu le truc que je disais, ouais, pour un musicien, finalement, de faire un truc tout seul, c'est... pas formateur dans, ouais, c'est ça, ça rejoint un truc où, voilà, exprime-toi, quoi, voilà, quoi, fais-toi, c'est ça, une chose à... Get out of life.
Et t'enregistres aussi. Ouais. T'as des choses là en préparation? Ouais, dans l'idée, ouais, il y a... Il y aurait... Je vais essayer de faire ça cet été. Bah justement, il y a des trucs un peu... Là, il y a une version que j'ai fait quelques fois. Là, maintenant, dans le set, on va dire, classique, j'ai des... Ces morceaux-là deviennent un peu des morceaux, des passages dedans, tout ça. Mais il y a une version un peu que j'ai fait parfois, qui arrive complètement en impro, mais genre, enfin, en commençant le concert, je suis parti dans un truc, je me suis dit, on va où, là? J'ai laissé faire, on va dire, enfin, entre guillemets. Mais... Donc, un truc un peu ambiance, ouais, satanique, enfin, en tout cas, ouais. Un peu comme ça, mais enfin, les potes disent, ouais, Diamando Gallo, enfin, tu vois, Diamando Galas, Diamando Gallo. Mais en côté, ouais, comme ça, un peu musique, du coup, le truc assez lent, un peu ces trucs-là sur la voix. Donc, ouais, c'est pas encore fixé, mais je me dis que ça, je vais l'enregistrer, ce qui pourrait faire une face. Donc, ouais, en tout cas, ouais, j'aimerais bien faire ça, voir un peu ce que ça donne, puis si c'est... ouais, ce que ça donne aussi à écouter, quoi. Et puis, ouais, du coup, enfin, en tout cas, ouais, faire un disque, alors soit avec ça, avec, donc, mettons une face comme ça, et puis une autre face avec plus, on va dire, les classiques, un peu, peut-être remettre des morceaux du premier disque, mais bon, un peu plus actualisé, on va dire, et puis des nouvelles choses aussi, plus en mode morceaux. Parce que là, le disque, il est épuisé pour une deuxième fois, enfin, il y a eu deux tirages à 500, donc je me dis bon, soit je le represse encore une fois à 500, pourquoi pas, mais soit je refais, allez, je remets un peu les bouts de classique. Puisqu'il y a eu une espèce de... Bon, il y a eu cette vidéo là virale, ouais, qui a fait un peu le tour du monde chez une bonne partie de métalleux en Amérique, tout ça, mais un peu partout, quoi. Enfin là, j'ai des invitations, que ce soit. En Scandinavie, un peu partout. Bon, bref. Donc, du coup, ouais, des gens qui connaissaient pas avant, qui ont fini de solder le disque, quoi. Et, bon. J'ai dit, ouais, du coup, peut-être faire un truc, un petit mélange de tout ça, mais avec, ouais, je pense les nouveaux trucs, un peu plus ambiance, on creuse. Bah, le festival, je viens d'arriver, donc voilà, mais ça a l'air cool. Ouais, je trouve... Comme ça, vu, tu vois, donc de l'extérieur, enfin, tu vois, juste avec l'affiche, tout ça, je trouve ça cool. Enfin, le fait que ce soit, un festival métal, mais qu'il y ait des trucs assez... que ce soit assez diversifié, assez ouvert, enfin, genre, comme le groupe qui a fini hier, ou des... Bon, pareil, Bill, Sharon Stone... En tout cas, ouais, non, j'ai trouvé, je trouve la démarche vraiment, super. Puis, après, pour revenir un peu sur tout ce que j'ai dit, on pourrait conclure par Eat Your Brains. Voilà. Ok, super. Et puis, ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.